préparé là pour le grand saut. Par contre là ma phobie du vide j'en peux plus. Hein. J'ai trop peur. Ok là je suis tout seul, je me dirige vers la plateforme de 90 mètres. Ça va être maintenant. Are you ready, Izzy? Oh my god, no. You want to say something, my friend? I'm going to die. Ok, alors là, on se dirige vers l'activité des tyroliennes. Et on a dû laisser la voiture en bas parce que littéralement, la route, c'est pas possible. Je vais vous montrer ça. Voilà le chemin. C'est en pente et il y a plein de petits cailloux et ça glisse de ouf. Et avec la voiture, on n'arrêtait pas de patiner. Donc si on continuait, on allait crever les pneus. Donc là, on doit se taper 3 km à pied sur du dénivelé. On est en train de refaire le Fuego là, je crois en fait. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu notre vidéo du Fuego, qui est vraiment la meilleure expérience de notre vie, je vous mets le lien juste ici. On a tout filmé, c'était incroyable. Trop cool, on a trouvé un mec qui a accepté de nous amener. Il nous sauve la vie parce que sinon on allait arriver en retard et peut-être qu'on n'aurait pas pu rentrer. On est arrivé. Allez, c'est parti. On est paré là, pour le grand saut. Ça part pour le premier obstacle. Celle-là, on va la faire à deux. Allez, c'est parti pour un nouvel obstacle. C'était incroyable. Ouais, celle-là en plus, pour le coup, elle était assez grande. Et t'as vu la vue qu'on a? La vue, ouais. On se régale! Ouais! C'est à mon tour, je vous prends avec moi. Regardez bien sa tête quand elle descend. Mais par contre, il y avait des arbres partout, j'ai cru que j'allais me les prendre, du coup j'arrêtais pas de faire ça comme ça, on en peut plus. Donc là, ça monte. Là, on vient de nous changer les équipements, on nous les a mis dans le dos, parce qu'on va faire la tyrolienne en Superman. Ouais, 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 on va s'envoler. Du coup, on va être allongé comme ça, ça va être trop stylé, on a les mains libres. Du coup, on va pouvoir filmer, ça va être trop stylé. Par contre, là, ma phobie du vide, j'en peux plus. Hein. Regardez ça. Oh là là là, j'ai trop peur. Je suis en crise d'angoisse du vide là. Oh là là, ça monte de ouf. J'ai très peur du vide. Ça va être chaud. Ma phobie. Il a la tête dans le vide. Oh my god. J'ai les jambes qui tremblent tellement j'ai peur du vide. J'ai trop peur. Ah, tu pleures? Ouais. Ah, c'était incroyable. Ça fait du bien d'être sur la terre ferme un peu là, parce que bon, être dans les airs tout le temps, moi j'en peux plus là. C'est quand même extraordinaire, hein. C'était ça et c'est la première. Le paysage était incroyable. Ah ouais, vraiment. Tu sais que je regardais tout autour de moi et j'étais là. Oh, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Vraiment. Le tunnel. Oh mais trop drôle, on va passer dans un tunnel. Tiens, ça c'est tiens. Tout Tarzan, yo 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 yo. Non, mais par contre, qu'on vous explique Tarzan, c'est genre saut dans le vide. C'est saut dans le vide à 90 mètres. Sauf que moi, je pense pas que je vais le faire. Hein. Ma phobie là. Oh my god. Ah non, mais c'est vraiment, on va vraiment le faire. Ouais, ouais, c'est parcours. Maman, j'ai trop peur. Ok, là, je suis tout seul. Je me dirige vers la plateforme de 90 mètres. Disait, elle a pas voulu suivre pour l'instant, elle attend que je fasse. Et là, on va voir les choses sérieuses arriver. Ça fait pas trop rigoler. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a. Ah ouais, putain. Voilà, voilà. On est sur le dernier obstacle. Et pas des moindres. Saut de Tarzan, il s'appelle. Allez, ça y est.
chaud. C'est maintenant l'heure de vérité. J'ai trop peur. Allez, c'est parti. Allez. Feet out. Cross your legs, knees up. Put your hands here. Strong. Ça va être maintenant. No. You want to say something, my friend? I'm going to die! L'arrivée de la Warrior, regardez-moi ça, elle arrive. Elle l'a fait, elle a sauté de 90 mètres. On vient de finir, Auré, tes impressions? Ah, c'était génial, on s'est régalé, on a eu des petites frayeurs, des sensations fortes comme on voulait. On a payé 9 euros ma vidéo quand je saute. Parce que le cri est tellement magique quand même. Vraiment trop drôle. Et Auré a une petite vidéo de moi quand j'arrive, le cri que je lâche, non mais... On s'est tapé un fou rire quand on l'a écouté la première fois. Et du coup, là, c'est reparti, on rejoint la voiture. On a trouvé des Espagnols qui nous ont ramené à notre voiture. Ils étaient trop gentils. Et coucou. Salut les gars, il fait bon, il fait chaud. On se retrouve sous la pluie aujourd'hui. On est dans le parc de Santa Elena, la réserve naturelle de Santa Elena. Là, du coup, on part vers le Encantado. C'est près de 3,4 km. Et on va essayer de voir s'il y a de la faune et de la flore. Et Auré se foutait bien de ma gueule avant de partir parce que j'ai acheté ce petit pantalon de pluie qu'on peut enfiler super facilement par-dessus les vêtements. Et ben, je suis très contente de l'avoir acheté. En plus, il coûte juste 7 euros chez Decathlon. Et là, il me sauve la vie hein, parce qu'il flotte de ouf. Et je suis tout imperméable, ça me refait. Bon, on se baladait tranquillement et là Auré vient de se faire piquer par une grosse bête volante, on n'a pas compris. Et on essayait de l'enlever et elle revenait, elle restait collée à son pantalon. Il a une grosse piqûre et ça lui lance dans la jambe là. Du coup on espère que c'est pas trop grave. Mais du coup ça fait flipper là. Surtout qu'on a 2 heures de marche, pas mal. Pour l'instant hein, c'est un peu un échec cette balade, on n'a vu aucun animal. Gros échec. Ouais, le temps. Après c'était beau, c'était de la nature, de la forêt et tout, mais c'est cher pour ce que c'est au final quoi. Donc maintenant on se dirige vers la dégustation de café et de chocolat à Don Juan. Et on a trop hâte, surtout moi parce que j'adore le café et le chocolat. Alors on vient d'arriver à Don Juan. Et du coup là on vient de payer 71 euros pour deux. Pas donné par contre. C'est vraiment super cher. Cher. Après c'est pas que un tour chocolat, c'est café, chocolat et canne à sucre. Canne à sucre. C'est trop beau. Donc là on vient d'arriver. C'est un fruit. Tu dois manger. Vas-y. C'est bon. Merde. Pourquoi? Faut pas manger le noyau. Ça commence, on sait pas se tenir. Ça sent le compost quoi. Non, bah ça sent le compost. Dans un compost ça sent la fermentation. Bien sûr que si. Juste avant il nous a montré la plante de cacao, comment ça poussait. Et là il nous montre la fermentation. Là il a expliqué que la fermentation elle se faisait sur 5 jours. Et à la fin de la fermentation, il lave les épices de graines et ils les font sécher. C'est ça, exactement. C'est chaud. Très amer. Et là, du coup, je vous ai pas montré, c'est toutes les graines pour faire le café. Trop beau, j'avais jamais vu de fleurs de bananier. J'ai envie de le manger là.
ce chocolat, c'est pour faire une boisson typique du Costa Rica. Pour des rituels, il a dit non. On dirait vraiment du chocolat chaud, mais à mon avis, ça va pas avoir le goût du chocolat chaud. La boisson de la force. Apparemment, si je bois ça, je peux sauver un camion. Écoute, franchement, comparé à ce qu'on vient de dire, c'est bien. C'est bien. Ça part. Tu peux le tremper dans le chocolat. Tiens là. Chocolat noir, très bon. Ouais. Trop sucré. Sucré à mort. Mmh. Bah, c'est du chocolat blanc quoi. On est en train de bouffer tout le chocolat qui reste. On est juste à côté. Il n'y a plus personne autour. Mmh. On est en train de se barrer. Et avec Auré, on fait genre de boire de l'eau. Pour finir, le chocolat. On va les laisser se perdre dans la nature. Bah, on va pas gâcher ça. On passe à la canne à sucre. Ah, en fait, il la déterre par en dessous. On dirait qu'il coupe un énorme poireau. Et là, il la lave et elle devient toute verte. Ouais, t'as dû travailler. Et là, il met du citron pour donner plus de saveur. Ça sent trop bon, ça sent le citron. On dirait trop une petite limonade. C'est moi qui est l'auteur de ce magnifique jus. Allez, santé. C'est au taquet bon. Manger, boire. Ma passion dans la vie. 78$, tu peux y aller. C'est clair. Et là, en fonction du temps de cuisson, on a une coloration qui est différente. Et ça, du coup, c'est les pays qui boivent le plus de café dans le monde. Genre en premier, la Finlande, j'aurais jamais cru. Donc Auré est très content, il peut tester le café miel. C'est bon. C'est bon, bon ouais. C'est très subtil. Hein. Mmh. Donc ça, c'est le café le plus léger. Il est clair. J'ai l'impression que c'est du jus de chaussette, quoi. Enfin, ce qu'on me sert le matin depuis, depuis 3 mois. Je préfère quand c'est plus fort. C'est pas assez concentré, ouais. Donc là, on est sur le médium. Déjà, la couleur, ça me plaît c'est un peu plus. Là, on est sur quelque chose... Là, tu préfères? Je préfère. Dark. Ouais, il est plus serré. Bah, moi, je préfère de ouf celui-là. Ouais. Ah celui-là j'adore. Alors là je vous explique, je vais me faire une énorme tasse avec du lait. Je vais vivre là, ma meilleure là, vie. Là j'ai du petit lait là. Là j'ai du chocolat chaud, c'est maison. Très bon. Très très bon. Coup verdict, Auréa préféré le médium et medium. Moi j'ai préféré le dark. Là je vis ma meilleure vie. Je me suis servi un petit café au lait. La boutique de souvenirs est juste incroyable. Je vais vous montrer un peu. Déjà j'ai trop envie de m'acheter cette peluche. Trop mignonne. Il y a plein de petites tasses adorables. Direction La Fortuna. Les routes, c'est une catastrophe. Comme d'hab. Je sais même pas comment on a fait pour pas crever jusqu'à maintenant. Je prie chaque seconde pour pas crever sur ces routes. Donc on vous raconte quand même parce que hier soir, quand on a parlé avec notre hôte de l'auberge, on lui a dit qu'on allait à La Fortuna. Elle nous a regardé les yeux écarquillés, nous a dit avec cette voiture. Et on lui a dit oui, et elle s'est tapée un fou rire pendant 30 minutes à se foutre de notre gueule parce qu'elle nous a dit qu'en gros la route c'était de la merde et nous on la croyait pas vraiment. En fait, on est littéralement dans le déni depuis qu'on a loué cette voiture en se disant mais zen, on peut faire le Costa Rica sans 4x4, etc. Et en fait, c'est pas un regret, mais on galère quoi. C'est pas infaisable, mais bon, tu serres les fesses parce que t'as l'impression que tu vas crever tous les 100 mètres. Un enfer, mais c'est pas des routes ça. Genre ça fait une heure qu'il râle comme ça. Je suis au bout, j'en peux plus. Je suis au bout, je suis un passager, j'ai des mains croisées, je suis au bout. Non mais la voiture, elle fait des bruits qu'on a jamais entendus. On entend les pneus qui font j'tom. Regarde c'est quoi ce chemin. Il nous fait pas prendre des routes là le GPS. Bah, c'est le seul chemin. C'est un chemin ça s'appelle. Où est-ce qu'on est là? Ça descend sec et il y a des trous, ma parole. On est sur un champ de motocross là. Toujours klaxonner dans les virages. Voilà. Et regarde la belle route d'Isée. Ah, on tourne à droite, tiens, c'est nickel. Attends voir ça. Oh, c'est quoi ce trou? Oh my god, c'est quoi là? Je perds deux pneus. Mais... Mais regarde. Ah, il est mieux ce chemin, regarde. Ah, il est mieux. Il y a des trous que tous les 2 mètres, et pas tous les mètres, bravo.
Le GPS, il a pété un moulin. Oh, il a compris qu'on voulait aller sur du béton. Mais... sur Maps.me, mais zen, ils disent que la route elle est nickel. Ouais, bah, c'est mais ça. Je pense que Maps.me il a pas été mis à jour depuis 1920. Maps.me il a fumé de l'herbe costaricaine. Et... Costa Rica, c'est vraiment ça. C'est incompréhensible. Vous avez des. Des parcelles. Ouais, ouais, c'est ça. C'est... D'un coup, ça va être du béton, ça va être plat. Et après, ça va être des grosses routes avec caillassées, avec plein de trous, tu sais pas pourquoi. C'est un 4x4. Ils sont en train de galérer de ouf à passer. J'imagine même pas ce qui nous attend là. Surprise! Oh! Waouh! C'est des cratères de partout. Ah, oh yeah! On adore la fumée noire! Cancer vie! Si vous voulez un petit aperçu au Guatemala, tous les minibus, etc. Les camions, c'est ça et ça pue partout. Petit update. Là, on est en full chill sur la route. Auré et de bonne humeur. On a sorti les lunettes de soleil et on se détend. Hein.